On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est grâce à vous Seigneur. Vive le sang de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Que nous comptons, bah oui. Nous sommes dans la. Nous sommes dans l'allée. Alléluia. Moi-même, je suis content, bah, comme vous. Et ça fait me dire non. Hein? Et parce que vous connaissez nous contents. Hein? Yes. Parce que nous avons fêté. Ce n'est pas chaque jour l'arrivé, mes bien-aimés. Mais l'arrivé à fond de nous fait que nous contents. Parce que nous sommes une femme, une famille. À nous camper pour lecture parole, mon Dieu, que nous avons nous connaissons déjà. Non? Hein? Très bien. Luc 8, 19 à 21. Au Béatrice, on parle. Something is wrong, non? Non. Oh, ok. Entre dans nos jeûnes? Très bien. Luc 8, qui verset? 19. À nous faire lecture là à haute voix. N'appelez pas le bon Dieu. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Amen. Nous mettons chita. What? Adorable Père Céleste en Jésus. Papa, nous qui dans le ciel là, nous bénissons, nous exaltons, nous rendons action de grâce. Nous bonne gloire que vous-même seul méritez, nous vous merci pour parole. Et nous m'en autant, oui, Père, bénis parole ça. Et permettre à ce que chaque petit qui là va jouer nos paroles. Parole qui pour convaincre, parole qui pour transformer. Parole qui pour libérer et non va glorifier. C'est comme ça que nous prions, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Nous bénissons, Seigneur, à nous exalter, non, pour jouer ça. Jour de triomphe, jour de gloire, jour d'exaltation et en plus, jour de fête pour United Church of Faith, qui a fêté. Moisson, nous dans célébration moisson bien-aimé. Et béni non Seigneur parce que moi capable yon prédicateur et qui tombe dans dernier jour sous thème ça. La famille de Jésus est aussi la nôtre. Un thème qui chargé onction la donnée, un thème qui très puissant, une parole qui très fort, avec un mot clé qui très négligé. La paix bon Dieu à vous. Avec un mot clé qui très négligé, la famille. Amen. Si nous disons aujourd'hui à mes bien-aimés que l'église bon Dieu à ce qui s'habille. C'est le peuple de Dieu, pas vrai? C'est le corps de Christ. C'est la famille de Dieu, pas vrai? C'est ça nous dit l'église. C'est ça nous toujours tendez. Mais je dis à Zindamando, ça veut dire pour vous ou même. Est-ce que pendant que vous répétez tout concept ça, tout mot ça, le corps de Christ, la famille de Dieu, hein? Et peuple de Dieu, qui ça veut dire pour vous? Qui importe ce que vous avez pour vous ou même chrétien? Je dis. Ça veut dire pour vous, frère. Ça veut dire pour vous, soeur en Christ. Frère en Christ, ça veut dire pour vous, je dis. Qui sens ça gagne? Qui importe ce que ça gagne dans la vie? L'obtenir des concepts, l'obtenir des paroles, l'obtenir des mots, ça, expression ça. Comment, je dis, ou concrétiser parole ça tout bon vrai dans relation humaine. Comment ou concrétiser, comment ou vivre les tout bon vrai.
C'est une raison qui fait expression paternelle, ça lui vient banal. Moi, bien dit, un thème qui rempli d'onction, un thème qui très fort, un thème qui très puissant, puisque c'est un thème qui inspiré du Saint-Esprit, mais avec un mot-clé qui très négligé. La famille. Très négligé, banalisé, et pour ne pas dire même, merci système, méprisé. Amen. Tant que tout l'autre thème, tant que tout l'autre mot, il juste à répéter, et puis qui n'a pas aucune valeur pour vous. L'idée des simples slogans dans la vie, n'a pas répété des slogans, n'a pas répété des mots, des simples mots, just for routine. Mais il n'a pas aucune valeur pour vous. Parce que c'est bouche qui a répété, mais il n'a pas sorti plus loin que bouche là. La paix, bon Dieu, à vous. Et c'est ça que je dis, hein, mes bien-aimés. Pendant 2 semaines, vous attendez des méditations, des prédications sur le thème ça. Et l'important, je dis, pour nous garder à la lumière de la parole de Dieu, qui ça nous entend par frère, qui ça nous entend par soeur. Ça veut dire la fraternité. Et quand vous venez prendre plaisir, mes bien-aimés, alléluia. Notre thématique année ça, c'est parce que y allait en ligne droite à la thématique année dernière. Je ne sais pas si nous songez. Nous pas même. Hein, pasteur lui? Hein? Pasteur Benji Wally? L'aller en ligne droite à la thématique l'année dernière là. Nous songez pour moisson qui thématique qui te gagne? Qui est-ce qui songez? Hein? Il te parlait de? Fraternité. Quoi? Communion fraternelle. Communion fraternelle. La paix, bon Dieu à vous. Hein? La communion fraternelle qui menait nous directement, je dis à qui ça? Dans la famille. Lorsque nous parlons de famille, nous tombons dans une fraternité. Il fait suite, mes bien-aimés. Faut nous soumettre, nous. Faut nous soumettre, nous. Parole n'est pas venue comme ça. Thème n'est pas venue comme ça, mes bien-aimés. Yo vini pour former nous, pour affermer nous, pour venir mettre nous dans la dimension que le ciel a besoin de nous. La paix bon Dieu. Nous sommes dans la communion fraternelle pour tomber maintenant dans la famille qui c'est la fraternité toujours. Alléluia. Et c'est ça qui va le permettre nous de découvrir la notion ça, la notion de famille. Alléluia. Qui extrêmement important, moi dit pour nous, je dis dans l'église, la famille. Ça que me dit son thème avec un mot clé qui méprisait, hein, qui négligeait la famille. Alléluia. Mais là, on a parlé de la famille de Jésus est aussi la nôtre. Il y a une première question qu'on est capable de poser, mes bien-aimés. Comment nous comprendre l'expression ça la famille de Dieu? Amen. Comment nous comprendre l'expression ça la famille de Dieu? En plus, nous disons, moi je fais partie de la famille de Dieu, pas vrai? Chaque jour, on a répété ça. Oui, moi-même, c'est peuple bon Dieu, je fais partie de la famille de Dieu. Il y a une étude qui est réalisée sous plusieurs nation pour regarder qui gens que yo réagi face à des situations difficiles à problème yo. Yo passé bon côté asiatique là, yo passé bon côté européen, yo passé bon côté américain. Yo chaque réagi aux gens. Gagné qui réagit, qui mettait accent sur tête yo. Gagné qui réagit, qui mettait accent sur famille yo. Par exemple, étude l'a révélé pour Américains, yo mandel ki jan réagi face à problème nan, comment leur non en difficulté, comment li joine consolation. Ou konn sa di?
Réponse américaine, il dit, je peux surmonter cette épreuve si je redouble d'efforts. Attendez bien. Je peux surmonter cette épreuve si je redouble d'efforts. Où est côté l'aller? Livin mettait accent sous individualité. La paix mon Dieu avant. Dans la société que vous vivez là, mes bien-aimés, son société qui prime, son société qui privilégie l'individu et non le groupe. La paix mon Dieu avant. Nous vivons nos cultures qui mettait accent davantage sur qui ça? Sous le moi. Sous l'individu. Son société qui encourage le monde vers l'individualité. Et qui vient bon, tout le monde très individualiste. Pam, c'est pam. Chaque bourric, brin dans son patu. Chaque coucou éclairé pour. Problème pas ou pas problème pam. Mais les nous regardons comme ça, nous, c'est le monde, non, mes bien-aimés. C'est le monde qui pense comme ça. C'est le monde qui individualise. Mais maintenant, comment nous réagit l'Église? Comment nous, en tant que chrétiens, nous concevons aujourd'hui la vie de l'Église? Est-ce que nous concevons la vie de l'Église selon une approche individualiste ou bien une approche personnelle ou bien dans une approche communautaire? Comment on se voit? Qui Jean Jodia ou même en dans l'église là? En fontitesse. Ou pas le qui j'en voit être dans l'église là Jodia? Nous allons faire fontitesse bien rapide. Ou pas le est-ce qu'on considère tout bon vrai en dans famille? C'est vrai, nous, parce que Michel Beau parlait. Yes, nous avons essayé de monter tout bon vrai une véritable famille là pour les concrets. Ce n'est pas dans la bouche pour nous dire, ce n'est pas dans le slogan pour lui. Mais c'est pour lui concret. Qui l'a vu dans l'église? Est-ce que vous avez vu dans l'église à l'heure? Est-ce que vous avez vu dans l'église à l'heure ou bien l'église a fini de courir à l'heure pas saluer personne? Qui l'a fait? Ou bien l'église avant ou bien ou bien l'église pour acheter un chita ou serrer coton ou faire un petit coco de chita pour aller à droite ou à gauche. A qui l'on vient l'église? Vous savez, mon? Le culte a fini. Ou pas courir même moment où aller? Y a cherché pour salutation du web? Après, bon Dieu à vous. Deuxième petit examen. L'on a prié. Juste son cadre pour eux. Pour une feuille blanche. Et puis faire un cercle là-dedans. Diviser en quatre. Et puis garder pour eux sujet pour yo. Ou après trois cadrans, ou après prier pour tête. Ou après trois cadrans. Toutes prières, toutes demandes prières, vous allez vers ou même seulement. Ou pas vous frère l'église, ou pas seul l'église, ou pas l'autre monde. Ou après Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, agis pour moi. Seigneur, parlez pour moi. Seigneur, débloquez-moi. Seigneur, passe avec moi. Seigneur, traverse. Seigneur, mets-moi. Seigneur, parlez pour moi. Seigneur, dis un mot pour moi. L'on vire cadran, l'on vire cadran, l'on regarde, trois cadran, c'est vous-même. Ou après chercher un frère l'église, ou après chercher pasteur, ou après chercher un sœur par côté prière aller pour lui. Qui est en difficulté. Seigneur, mets-moi, fais-moi grâce. Seigneur, mets-moi. Comment comprendre, mes bien-aimés? Lorsque l'apôtre Paul a parlé dans 1 Corinthiens 11, 28, il a invité nous à examiner nous. Hein? Qui j'en comprend ça? 1 Corinthiens 11, 28. Comment comprendre ça lorsque l'invite à examiner nous avant qu'on présente devant la Sainte Table? Comment ouais? Dans les salles. Et l'on a examiné là par rapport à qui point on a examiné. La paix mon Dieu à vous. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et que si qu'il mange du pain et boive de la coupe, soulignez ça, s'éprouve soi-même. La paix mon Dieu à vous. L'on a éprouvé ou même par rapport à quel point? Par rapport à qui péché? À qui péché personnel ou yo? Mais est-ce qu'on éprouve par rapport à rapport qu'on a avec frère Kishita Mokoto là?
est-ce qu'on éprouve par rapport à rapport qu'on gagne à ce qui d'abord côté là à ce ça qu'on pas un coup de langue là à ce ça que au contraire il contrarie là et puis premier réflexe c'est Dieu dit m'a quitté l'église ça c'est pour soi-même et qu'est-ce qu'il mange du pain ou apparaître bien chelbé bien habillé ou bien chelbé à présenter devant la sainte table et puis on gros combien prisonniers là haut yo pas jamais sorti et puis on va présenter devant la sainte table bien bonnet et puis on va venir manger c'est pour soi-même la paix pour Dieu avoir lui interpeller nous chaque qui là mes bien-aimés pour nous entrer dans cette dimension de famille faut nous capable faire examiner ça. L'homme malade, l'homme qui a un docteur, le docteur a fait beau. Même le loi c'est au mieux. Mais pour le sûr de maladie, ou là, qui ça le vous a fait? Très bien. Mais examen chrétien. Et pas pasteur qui va le faire beau. C'est pas diacre qui va le faire beau. C'est pas frère qui va le faire beau. C'est pour soi-même. Et pas personne qui va le faire beau. C'est vous pour examiner tel ou pour être dans quelle condition vous êtes. La paix bon Dieu. Est-ce que vous unissez tout le monde grâce à l'œuvre de Christ à la croix? Est-ce que vous sentez unis avec frère, avec soeur à vous? Est-ce que vous sentez tout le monde son frère, l'époux, son seul époux? Vous allez ça devant. Celle-là m'a parlé de approche individuelle là ou bien approche communautaire là. Comment vivre dans l'église là? Est-ce qu'on vit l'église là sur le plan individuel ou bien on vit dans l'église là sur le plan communautaire? On regarde un exemple. Josué 7, verset 1er. Nous connaissons l'histoire à quand? Amen. Faute à quand? Josué 7, 1er. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. À quand, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Attendez bien, mes bien-aimés. Faute ça à qu'en faire? Ou faute individuelle ou communautaire? Hein? Qui est-ce qui fait faute là? Les sont fautes individuelles. Une faute individuelle qui est devenue une faute communautaire. Pour quelle raison? Parce que devant Dieu, c'est une famille. Et ça fait nous ne sommes pas capables de tolérer le scellé. Nous ne sommes pas capables de tolérer le péchador. Nous ne sommes pas capables de tolérer le green sec. Parce que le green sec l'a pourri tout. L'organe a qu'un ami d'on va dénoncer. Mais ça le fait. La attire colère, mon Dieu, sous nous. Parce que c'est une famille. Là, qui s'acprime, c'est l'individu ou bien le corps? Hein, mes bien-aimés? Qui est-ce qui prime, l'individu ou le corps? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, les enfants d'Israël. Pas contre la canon. Bagay la red. Bagay la red. A quand fin fait tintin. Li fait bêtise qu'on a lagé tout le monde dans courir. Péché dans mi-temps. Matin, parce que tu as parlé ça dans l'école du dimanche. Li besoin que je dis en dans l'église, mon Dieu, a unité de la voix. Les gagnants des hommes, des femmes de prière qui consacrés pour capable discerner. Il n'est pas possible pour l'église pour charger à mon malade, pour ne pas avoir mon malade. Ou pas avoir mon l'église qui a qu'un ami temps pour ne pas avoir mon qui a discerné ça. Faut que mon Dieu serve avec nous. Pour nous dénoncer à quand yo, pour nous montrer nous qui j'en l'église à marcher, qui graine sec qui est là, et pour nous prier pour lui, pas pour nous chasser, mais pour nous prier pour lui, pour nous repentir, pour coller mon Dieu pas tomber sur l'église là. Amen.
Amen, amen. À quand on nous, faut que nous parlons avec elle. Mais faut que Dieu révèle nous. Faut que nous en état pour nous vivre cette dimension de famille. Faut que nous consacrer, nous consacrer la paix de Dieu avec nous. Parce que le moi bien-aimé, est-ce que c'est lui qui est important? Est-ce que c'est la communauté? Alléluia. Donc c'est là, mes bien-aimés, la notion de frère. Je dis à un dans l'église, les vins perdus importance. Les vins banalisés. Côté qu'on y a là, ma pantre, ou entre l'église là, ou vins chita parce qu'il s'accrivait, chaque monde vient là, il dit, vins chercher, bon Dieu, non. C'est bon Dieu là, vins chercher. Les vins chercher relation à bon Dieu là. C'est ça qui fait la notion de frère. La fraternité, mes bien-aimés, vins qui ça? Les vins perdus importance. Importance lui. Parce que ça qui est important pour chaque monde qui vient là, c'est vivre une relation personnelle avec mon Dieu. Pendant que vous négligez l'essentiel, l'on cherche à vivre une relation personnelle à mon Dieu, vous pouvez le voir ça. Tout le monde qui vient là pour chercher mon Dieu dans une dimension personnelle, pour venir chercher une relation personnelle avec mon Dieu, oui, il faut gagner. Oui, il faut gagner. Mais si c'est sa priorité, ou pas loin, je dis à grand pile l'église, chaque monde vient, il y a cherché petit bon Dieu. Et ça fait le Notre Père, il vient changer. Parce que le monde vient dire, c'est pas Notre Père, c'est mon Père qui est aux cieux. La paix contre Dieu. Il vient pas Notre Père. L'un a prié, c'est Notre Père. Mais puisque c'est petit bon Dieu, pas de m'a cherché, même le roi Chita là, ou pas, on va considérer comme frère vrai. Parce que problème pas, problème pas. La paix bon Dieu à vous. M'a qu'on a fait. Ou pas qu'on a fait. Et c'est ça que fait m'a besoin de saluer. Comment on peut comprendre là, en dans l'église, pour que les gens qui ne peuvent pas saluer. Ou on parle de frère. Ou on parle de soeur. Et moi dans l'église, je vais aller là, je vais jamais croiser avant, je vais jamais go. Je vais jamais go. Pas parler de frère. Et là, on est passé là. Pour ne pas quitter pour venir parler balle, pour dire que c'est un tel et pour courir balle homme. Mais on ne pas parler homme, vraiment, son coup de figure balle. Merci Seigneur. Très bien aimé. Et c'est ça qui nous prouve tout pour vrai que nous sommes des protestants. L'église va avec nous. C'est ça que nous pouvons dire, mais que nous sommes des protestants. L'église de samedi. Hein? L'on agit comme ça, il fait tout bon vrai que c'est protestant qu'on y est. Ou pour qu'on arrive dans ce stade chrétien. Bon, grande différence entre un protestant et un chrétien. L'on agit comme ça dans l'église là. Parce que c'est chrétiens qui vivent en frères et sœurs et non des protestants. Avec mon Dieu à vous. Protestants, c'est affaire propre, affaire pas. Mais chrétien, c'est nous tous qui nous connaissons. Ou crier, ma crier tout. Cœur content, cœur content. Ça, c'est chrétien. Et c'est ça qu'on va regarder là. Hein? Comment bon Dieu lui-même lui définit frère. L'homme de bien-aimé, l'histoire du mot frère est très significative. L'homme de bien-aimé qui dans même nom, les femmes connaissent que mon frère, ça, mes bien-aimés, est constitué de deux parties qui font connaître que les sorties de la matrice. Sorties de la matrice. Mais maintenant, sorties de la matrice, ça, qui ça va faire nous connaître? Mon frère, là, son mot qui est générique. Parce que là, on a parlé de frères, on a parlé de sœurs, on a parlé de famille. Famille, c'est qui ça? C'est frère sœur. Mais, qui unit, pas vrai? Tout ça unit par qui ça? Il y a unit par qui ça? Soit, par qui est-ce? Papa? Papa ou? Maman. Merci Seigneur. Mon sœur là, il vient employer surtout.
pour parler où est la Bible là. Référence en clair, il dit, il parle de frères et sœurs de Jésus. Mais, il parle de frères. Frères de qui famille? Frères de quelle famille? De qui famille a parlé? Parce qu'on va dire là, les frères sont ceux qui ont le même résus. C'est le monde qui sortit dans le même ventre que maman, moi. Même souche, hein, c'est son paradigme. C'est mon, mais là, mes bien-aimés, là, bon, importance capitale parole ça. Et parole ça, bah, y'a en pile problème dans toute l'église. Et surtout au niveau de l'église catholique, avec protestant. Catholique, en pile problème avec protestant yo pour parole ça. Parce que dans pile protestant qui aborde des questions ça sur le plan matériel et qui vient faire que les catholiques relaient nous les a parlé de nous ils relaient nous des frères séparés. Les catholiques a parlé de protestants ils relaient protestants les frères séparés. C'est plus gros insulte qu'on a fait aux catholiques lorsqu'on a dit ou relaient de chrétiens. Pas relaient chrétiens dit chrétien catholique. L'on dit chrétien ou dit passé comme protestant, sont insultés comme catholiques. Pour où? L'on catholique en côté avoir l'hypothèse comme un frère séparé parce que ou en rébellion. Et ça fait la prière ou l'idée ou à bien vous tourner quand même. Et ça fait l'hypothèse séparé ou en rébellion. Amen, bon Dieu à vous. Amen. Donc mes bien-aimés, mais l'homme d'a de yon parole, moi que l'amour Jésus, goun bagay que l'in fait. Le Jésus vini, il vient poser une action. Et action, ça vient poser, il vient réconcilier nous avec qui monde? Avec Dieu. Qui c'est qui ça qui est? Le Créateur, notre Père. Mais, mes bien-aimés, nous liés par ce Père à travers qui monde? On garde nos paroles. On va aller. Conséquence là. Nous jouons dans 2 Corinthiens 5, 15 à 21. Vous allez voir ça le dit. 2 Corinthiens 5, après aller rapide. 15 à 21, qui ça le dit? Et qu'il est mort pour tous, on est bien. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Ça fait bon Dieu à vous. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Merci Seigneur. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Alléluia. Merci Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Attendez bien. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Merci Seigneur. Amen. Qui ça moi là à partir de parole ça? Moi vin ouais bien aimé, une conséquence que action ça a posé, travail que Jésus-Christ vient faire là, c'est que les vins nous comme conséquence, relation bien aimé que nous gagnons avec Jésus-Christ, les transcender, les au-dessus de qui ça? De toute différence sociale et raciale. Là, mais bon Dieu à vous. Si Seigneur. Regardez ça dit dans Galates. Si Seigneur. Galates 3, 26-28. Pour capable d'entrer dans la dimension famille, ça, il dit car vous êtes tous. Merci Seigneur. Répétez par où ça bien fort, moi. Alléluia. Merci Seigneur. Continuez, 27. Yes, 28. Il n'y a alléluia. Car vous êtes tous la paix bon Dieu avant, oui. Mais bien aimé, nous sommes unis les uns aux autres.
Grâce à qui monde? Merci Seigneur. Ça veut dire que nous sommes sortis de la même matrice. Matrice qui mettait moi-même avant là, c'est qui matrice lié. Matrice spirituelle, le Père qui est notre Créateur et par la foi en Jésus qui réconcilie nous, qui vient faire que nous sommes frères. Merci Seigneur. Ou pas avec. Mais ça, mon Dieu, fait, attendez. Le retour, la famille de Jésus est aussi la nôtre. Mais ça fait, famille Jésus, c'est nôtre. C'est pour lier tout parce que nous n'avons même pas, C'est Jésus, dans sa dimension humaine. Nous sommes frères en Jésus par la foi qu'on y a dans cette dimension humaine de Jésus parce que Jésus est 100% Dieu et 100% Merci Seigneur. Nous sommes 100% homme Jésus. Nous sortis même quoi? Parce qu'elle est venue mourir pour. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, et c'est ça que fait mes bien-aimés. La position de Jésus, lorsque vous venez dire, mais après de vous, il est choquant et sans équivoque. Alléluia. Merci Seigneur. Retournez-moi dans le thème. Là. Merci Seigneur. Les jours, et vous jouez une parole, ça bien aimé, dans deux autres, l'évangile. Vous jouez ni dans Marc, vous jouez ni dans Matthieu. Sans équivoque, attendez ça, Jésus répond. La mère et les frères de Jésus viennent le trouver, mais ils ne peuvent l'aborder à cause de la foule. Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Sans équivoque. De manière choquante, Jésus-Christ va poser une action qui va choquer tout le monde. Mm-hmm. Alléluia. Merci amen, Seigneur. Amen. Mais il répondit. Moi, sûr et certain, mes bien-aimés, Jésus prend un petit temps pour regarder tout le monde. Il fait un regard panoramique. Il regarde toute foule là. Et puis pour le bail répond ça après. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Quel privilège pour moi, je dis à ti moi-même, si pas un yé que m'yé, m'a dit non, m'a sauté dans la race pour je dis à mon frère Jésus. Si Seigneur. Je dis à tout moi-même pour me porter nos frères. Pour Jésus Abrelem, frère. Pour me faire partie de la famille de Jésus. Jésus est devenu notre frère. Par qui ça? Parce qu'il a pris notre condition humaine. La belle bonne d'avoir. Gardez vos paroles dans Hébreux 2, le verset 11. Hébreux 2, 11, qui ça le dit? Hébreux le 11, mes bien-aimés, il dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, alléluia, sont tous issus, merci Seigneur, c'est pourquoi, ou malgré état, malgré saleté, Jésus vini, li lave yo, li purifie yo, li met au soumoun, et li change nom, li relo frère, li relo sœur. Merci Seigneur. Donc mes bien-aimés, la notion de frère, ça vous comprenez aujourd'hui, hein? Li attaché à qui ça? Le apalola de frère de Saint Jésus, c'est moun qui tend des paroles là et qui mette en pratique. Qui fait volonté, mon Dieu, eh bien, il est attaché au fait de suivre la volonté de Dieu. Ça fait un moment où il doit l'église à là, eh bien, ou pas frère. Amen. Ça fait mon Dieu à vous. Où il doit l'église à là, marcher, monter, descendre l'église à ou pas frère. Parce que s'ils sont à canoyer, s'ils sont péchadoyer, s'ils ne sont pas marcher selon la parole de Dieu, je ne vais pas tolérer. Mais ce
c'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. C'est ceux qui écoutent et qui la mettent en pratique. Et pas moi qui dis non. Ou j'ai dit, c'est pas ça qui dit. La parole de Dieu, c'est le monde qui fait volonté, bon. Et ou pral ou elle pique en allant Marc, m'piremel, Marc 3, verset 35. Ou pral le côté le pique toujours. Merci Seigneur. Marc 3, 35, qui ça dit? Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Là, on a parlé de qui famille? La famille de Jésus. Qui c'est? La nôtre. Et quelle famille? C'est la famille spirituelle. C'est pas matériel, c'est pas biologique, c'est pas humaine, mais c'est une famille spirituelle. Donc, mes bien-aimés, les dit où est-ce qui fait, où est-ce Magdou là? Magdou, c'est le monde qui fait volonté. Luc dit lui-même, c'est celui-là qui tendait et qui mettait par en pratique. Pas de différence, non? L'ordre de parole mettait en pratique, c'est volonté bon Dieu à faire. Amen. Et c'est ça qu'on a droit dans l'église là, ou pas frère, ou pas seul, ou une famille, non? Mais en opposition. Peut-être qu'il ça parce que la parole de Dieu dit c'est le monde qui fait volonté, mon Dieu. Parce qu'on est là, ou de corps, ou à faire show-off, ou compter parmi, ou compter parmi, ou compter parmi membres de l'église là. Mais on pas dans volonté, mon Dieu. Ou pas faire ça, mon Dieu, mon Dieu. Parce que vous vivez dans la catégorie spectateur. La paix, mon Dieu, à vous. Jésus va dire nous quitter la famille biologique là, non? Abandonner, non? Non! Les a une dimension transcendantale. Cette dimension transcendantale, la dimension spirituelle bien-aimée, elle domine sous dimension matérielle là. La paix, bon Dieu, à vous. C'est famille ça qui est plus importante. Et on parle de qui côté? Jésus-Christ même pral bail prédomine ça. La spiritualité, la famille spirituelle prédomine sous famille matérielle là. Attendez ça, vous. Matthieu 10, le verset 37. Attendez ça, dit. Il est clair. Matthieu 10, 37. Attendez ça, dit. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Bien aimé. Donc, je dis à la parole de Dieu est claire. La famille spirituelle est prédominée. La famille spirituelle est prédominée sous famille matérielle. Là. Et maintenant, je dis à poser cette question. L'amour de Dieu est lié, mes bien-aimés, automatiquement à la dimension fraternelle. Là. Dimension, ça, bien-aimé, il faut qu'il fasse dans l'amour. Et c'est ça que fait, je dis à poser cette question. Comment pour vivre dimension ça? Comment pour vivre fraternité ça? Comment pour vivre la famille? Comment pour comporter en la famille ça? Dimension pratique fraternité ça. Dimension pratique famille ça. Eh bien, vous pouvez le saldo. C'est individualité à pour chasser. Je dis à pour entrer dans le collectif là. C'est aspect communautaire là pour entrer là-dedans. Je dis à suspendre penser à vous-même, penser à collectif là. Suspendre prier pour qui tout, commencez par prier pour l'autre tout. Dans le cadre de la prière que vous faites, répartissez vous dans l'intercession. Vous avez besoin par où, vous avez l'église où, vous avez frère, ou avez soeur. Et c'est chaque jour dans l'église là pour nous chercher une prière pour l'église. Pour nous prier pour l'église. Là. Pour chaque monde dans l'église, vous avez une requête. Dans l'équipe prière, l'église, dans le ministère de prière, il faut que vous ayez tout le monde de l'église là, dans le ministère. Dans le ministère ça. Si vous n'avez pas, il faut nous monter. Ministère de prière. Pour nous prier pour l'église, il faut que l'église ait des guerriers. Des guerriers de prière. Qui a prié pour nous capables de vivre dimension fraternité, ça. Dimension famille, ça, mes bien-aimés. Car vous n'êtes pas capable de rester là-dedans. Comme ça. Il faut que vous compreniez que le monde qui est côté là, c'est frère, c'est soeur lié. Il y a un pays. Dans un pays asiatique, un missionnaire. Pendant la mission, on a dit, ouais, on a dit,
cap porter yon lot sous dol. Et puis lire les titres, ça dit waouh, ça son gros fardeau pour vous, son gros chai wap porter là. Et puis le rete regarde missionnaire là, dit missionnaire là, non, c'est pas un fardeau, c'est ti frère. Magon soit même, non? Les divisionnaires là, c'est pas un fardeau, c'est ti frère. Je veux dire, est-ce qu'on considère? Il y a plus de monde dans l'église qui considère frère avec ça comme un fardeau. Il faut commencer par considérer comme un frère, comme un soeur. Et l'on prend chaille ou pote sous l'eau, c'est pour fardeau lié. C'est frère, c'est soeur, c'est fardeau pas loi pote. Même Jean Atibiti ça qui dit, c'est pas frère, c'est pas un fardeau ma pote, mais c'est ti frère. C'est frère. Je veux dire, ce nous avons une très mauvaise compréhension de responsabilité que nous gagnons. Parce que la notion de famille, la famille de Dieu, de Jésus, est aussi la nôtre. Lui mande nous trois bagailles. Lui mande nous responsabilité, lui mande nous pour nous unir et lui mande nous pour nous remettre. Une autre, l'entrée dans la dynamique, ça, on connaît chaque fois là, c'est chaque pam. Fado pour là, c'est fado pam. Crier pour là, c'est crier. Problème pour c'est problème, pam. Et je dis, en nous garder, entre frères et sœurs, en nous vivre dans l'humilité. Jean-Pasteur se dit, la pas gagné qui pire que l'autre. Nous tous qui là, nous sommes petits, même papa. Pas gagné, ça que pas qu'on y a, faut que ça qu'on y a l'aller pour le montrer lui. Ça que pas qu'on marche, il faut que l'autre aller lui qui même pour le marcher. Et c'est ça, faut que nous menions une opération. Soutenir yon kebe men l'autre. Tout bon vrai. Soit pas qu'on fait, moi je qu'on fait, ma pour vous faire. Parce que c'est frère, c'est soeur. Et n'a monté, n'a construit yon l'église de famille. Non pas une famille matérielle. Pas elle en termes de famille matérielle, mais c'est famille spirituelle. Quand on entre là, à partir de jeudi, après 2 semaines, il faut que vous pensez au changer. Faut que vous venez dans l'autre monde. Faut que vous capable transformer. Faut qu'on soit capable d'atteindre tout le monde à certains niveaux. Faut qu'on soit transcendé pour qu'on ait leur entrée là et pas pour courir. Et si vous êtes différent avec le monde, je dis à même, c'est pour prendre une décision pour quitter. Si vous êtes différent avec le monde, pour tic-tic-crac, ou dit m'a quitté l'église. Pour tic-tic-crac, depuis que vous faites un bagage pour les enfants, m'a séparé avec l'église. En prier. Et je dis à même, si vous êtes un bagage avec un frère, avec une soeur, demandez le pardon. Pour nous repartir à zéro. Reset contre l'église là. Avec 2 semaines ça. Reset contre. Pour nous démarrer. Pour nous sortir dans la dimension de clan. Pour nous tomber dans la dimension de famille. Que mon Dieu bénisse. Que mon Dieu garde. Que mon Dieu protège.